le choix est de savoir s'effacer devant une telle œuvre, d'être humble dans un lieu comme le grenier dans lequel il a travaillé. Il nous a paru intéressant aussi de montrer tout le travail artisanal et artistique et unique d'une telle œuvre au travers de ce travail manuel fait de fil à fil. Ici, vous avez aussi cette grande tablette de 9,50 m sur laquelle les enfants vont s'exprimer et pouvoir y inscrire leurs émotions, ce qu'ils ressentent, car tous les matins au travers du CNOA, il y aura des écoles avec des visites gratuites de l'exposition et de l'œuvre, et ils pourront librement s'exprimer. L'espagnol, c'est pour mort, hein, de voir où est-ce qu'il a fait ce travail qui lui avait été commandé par la République espagnole, et qui lui a pris tellement de temps, parce qu'au contraire de ce que les gens pensent, Picasso prenait beaucoup de temps pour faire certaines œuvres. Moi, je trouve merveilleux que les huissiers prêtent leur bâtiment pour une activité artistique comme celle-ci, qui dépasse un peu la notion de musée, non ? Ça c'est pas un musée parce que ça va beaucoup plus loin, non ? C'est la maison, la tapisserie, mais l'âme de Picasso est dans ses murs. Et même cette musique qui pourrait être parfaitement une musique de Picasso, puisque c'est un homme très gay. Je crois que c'est très très important que les enfants se posent des questions, fassent leur propre travail d'interprétation et puis que bien sûr autour les artistes, les maîtres, les enseignants puissent les aider à en tirer des leçons. C'est merveilleux de commencer pour les tout jeunes avec l'un des plus modernes, le plus moderne du 20e siècle. On peut dire que c'est le grand, un peu comme Stravinsky. Commencer plutôt que de commencer par les classiques, c'est pas toujours la meilleure solution. Enfin, ça, c'est déjà une chose. Je suis sûr qu'ils entrent peut-être plus facilement, sont plus perméables à cette forme d'art de notre époque qu'à d'autres. On a besoin aujourd'hui que l'art redonne, joue pleinement son rôle, à la fois pour faire rêver, à la fois aussi comme révélateur de l'angoisse de ce qu'est le monde, de ce qu'il a été. Et on a besoin pour cela de personnes qui arrivent à médiatiser tout ça. C'est vrai qu'accéder à une œuvre, à tout ce qu'elle peut renvoyer, si on est tout seul, si bien sûr qu'on aura son émotion personnelle ou son angoisse personnelle qui travaillera, mais je crois qu'il y a un besoin dans notre pays d'avoir de la médiation culturelle. Il faut absolument qu'on accompagne le public, du plus jeune au plus âgé, qu'on accompagne le public pour qu'il puisse recevoir ce type d'œuvre et en tirer les leçons de vie qui s'imposent. Je voudrais rappeler que quelques mois avant sa mort, un homme exceptionnel, Yehudi Menuhin, avait interpellé l'Union européenne en disant « Vous ne construirez pas, vous n'arriverez pas à reconstituer plutôt que construire l'Europe si l'on ne donne pas la possibilité aux enfants de reconstituer cette mosaïque formidable qui est leur patrimoine. Et l'art est le vecteur de la paix. » Et Menuhin disait ceci aux responsables politiques: « En construisant une tour d'ivoire sur des sables mouvants, vous n'autorisez pas la construction de la paix. » Et c'est pour ça que Guernica est un double symbole, celui de l'éducation artistique et celui d'une politique de la paix. Le tableau de Guernica, quand on le voit là, devant à un mètre, on peut presque le toucher, c'est comme si ça vous replonge dans cette grande tragédie qui était la guerre d'Espagne.
Alors, il y a un moment magique ici. C'est qu'il faut le voir en éteignant toutes les lumières. Et ne garder que la lumière du jour. Et tout d'un coup, cette chose vous prend, vous enveloppe, vous rentre dedans. Tout le mystère, et là, c'est vraiment très impressionnant, parce que on sent tout ce que Picasso a voulu dire. C'est-à-dire ce noir, cette douleur, cette ça y est. Et comme en plus cette toile Guernica était inspirée de photographies publiées dans la presse de l'époque qui montraient les bombardements de Guernica, c'est pourquoi il y a ce camaïeu de couleurs qui est extrêmement limité. J'avoue que pour des enfants qui n'ont jamais connu le tableau, et qui est peut-être plus dur que le tableau est peut-être plus dur que la tapisserie, c'est formidable, parce qu'ils vont pouvoir y découvrir ce que c'est que la guerre, ce que c'est que l'agression, ce que c'est que les cris. Parce que même si je montre à ma fille tout à l'heure les doigts des femmes qui sont aiguës, donc reflétant absolument toute le danger, reflétant toute la peur, tout ce qu'il peut y avoir dans une guerre, ce que les enfants actuels ne savent pas. Ils voient ça à la télévision, mais à la télévision, on ne voit que des pays qui sont très éloignés, qui ne peuvent pas refléter exactement ce que c'est que la guerre, puisque la guerre, c'est à la fois des odeurs, à la fois des cris, à la fois des blessés, des morts. Et les enfants de notre époque, enfin qui vivent en France, ne peuvent pas s'imaginer ce que c'est que la guerre. Moi, ça me fait un peu... je trouve ça un peu triste de voir les gens en train de souffrir, puisque c'est pas très bien la guerre, et ça a tué beaucoup de gens. Et aussi, avant, quand le livre c'était en noir et blanc, on voyait pas beaucoup les détails, parce que, par exemple, les cicatrices sur les mains et tout. Aussi, moi, au début, je croyais que c'était que du gris, du blanc et du noir, mais là, je vois que c'est, il y a le fond, et ben, il est tout en bleu, et qu'au début, et ben, j'étais persuadée que ça allait être en noir, Nocturne. En gris et en blanc. Et le bleu, ça te... Ça signifie la tristesse. On a eu d'abord une relation privilégiée avec l'enfant, dans la mesure où on pouvait partager autre chose au niveau du travail qu'un simple travail de classe. Moi, j'ai ma fille qui a participé au projet et elle est assez attentive, depuis la réalisation du projet Guernica, à tout ce qui se passe au quotidien, dans le monde, et ça l'interpelle un petit peu plus qu'avant. Un apport aussi au niveau culturel, ils ont été... D'eux-mêmes, ils ont été chercher des documents, ils ont ramené énormément de documents sur Picasso, des recherches qu'ils ont faites tout seuls. Ils ont été demandeurs, c'est eux-mêmes qui ont été demandeurs de réaliser des poésies, des poèmes, des anagrammes, des dessins. Ils se sont pris dedans. Et donc, le projet leur a plu. Et c'est la satisfaction que tout professeur peut en tirer. C'est que c'est, j'espère, réussi. Odio y en las médulas arde continua la venganza. Las palabras entonces no sirven, son palabras. Siento esta noche heridas de muerte las palabras. Les couleurs, elles sont jolies sur le bois quand c'est sec, parce que quand c'est mouillé, quand on vient de le peindre, on s'en rend pas compte de la couleur. Les paroles, entonces, no sirven, son palabras. Manifiestos, escritos, comentario, discurso. Humaredas perdidas, neblinas estampadas. Que les enfants, si on les traite comme des personnes et pas comme des bébés toute leur vie, et qu'on leur cache pas la vérité, ils réagissent comme une personne normale qui a des sentiments, qui est capable de réfléchir, capable
de s'émouvoir, et s'il est capable de s'émouvoir, ça veut dire qu'il sent, s'il sent, il réfléchit, s'il réfléchit, il va transmettre aussi tout ce qu'il pense. Donc, ce qu'on est en train de voler aux enfants et à la jeunesse, on est en train de voler leur histoire, et c'est par la culture qu'on connaît, au niveau émotionnel, qu'on connaît l'histoire, sinon ce ne sont que des dates de telle année à telle année seulement, c'est froid. Et je pense que ce qui a été très positif et que les enfants ont vécu comme un challenge, qui était unique, c'était de pouvoir effectivement exposer leurs œuvres face à un public qu'ils ne connaissaient pas, un public d'adultes. Et donc ça a permis de valoriser un travail qui trop souvent reste dans les enceintes d'une école. Et là, on a été au-delà et je pense que ça a été un moteur pour la réalisation du projet. Ça a motivé les enfants. Alors, je veux dire, la réception des enfants aux œuvres d'art et à une œuvre comme ça est évidemment majeure parce que ça les prend là où il faut. Mais si vous voulez, on a un problème au niveau de l'éducation artistique. C'est que on nous a appris à l'école, on a créé l'école, Jules Ferry a créé l'école pour nous apprendre à lire et à écrire. On ne nous a pas appris à voir et à regarder. Je pense qu'il y a des villes qui n'ont pas justement d'élèves qui ont des parents qui emmènent les enfants au musée, qui les sortent. Et ben c'est un bon moyen par l'éducation nationale, par le biais de centres comme le CNEA, ben, d'amener l'art à l'école, mais d'amener de l'art vraiment avec en lettres majuscules, c'est-à-dire les amener à découvrir, à sortir, à visiter. Alors, il est évident que dans des campagnes où on n'a pas forcément des musées aux alentours, ben, ça veut dire qu'il faut leur amener des mallettes artistiques, leur amener du matériel pour qu'ils puissent travailler dessus. Mais je pense qu'il faut, au contraire, toucher le plus possible de régions où les enfants ne sont pas forcément confrontés à l'art. Et justement, ils pourraient amener quelque chose d'intéressant du fait qu'ils ne sont pas formatés, ils n'ont pas vu déjà des choses artistiques, donc ils pourraient amener une touche nouvelle, une touche qui leur est complètement personnelle. Le CNEA, avant tout, c'est une association de loi 1901, donc qui fonctionne avec des adhérents. Parmi ces adhérents, il y a des parents d'élèves, et donc c'est une mère d'élèves du Vésinet, qui est par ailleurs une conseillère municipale, qui nous a signalé le travail d'une institutrice, d'un professeur d'art plastique qui est sur une classe de CE2 dans l'école Pasteur au Vésinet, travaillait, il voulait travailler encore sur le thème de Guernica. Nous avons tout posé par terre et là on a décidé vraiment de repenser l'exposition en disant premièrement un Picasso aurait adoré, ça c'est évident, et que la qualité, le travail accompli par ces enfants et les enseignants montrent qu'il peut y avoir une éducation artistique de très très haute qualité sans moyens considérables. Et le message, c'est de dire aux politiques, regardez, les recettes sont là, n'allez pas inventer des usines à gaz ou je ne sais trop quel plan qui se succède à des mesures qui pour la plupart du temps ne sont jamais appliquées. Voyez la simplicité, voyez les fondamentaux. L'éducation artistique, c'est avant tout les disciplines du temps et de l'espace, la musique, les arts plastiques. Apprenons les fondamentaux que sont le chant, apprendre aux enfants à chanter, les pratiques artistiques et évidemment l'histoire des arts qui est le ciment et qui peut seul reconstituer la mosaïque européenne dont les morceaux sont répandus, qui suffit juste d'assembler, encore faut-il les identifier. A través de una niebla caporal de tabaco, miro el río de Francia, moviendo escombros tristes, arrastrando ruinas por el pesado verde ricino de sus aguas. Mis ventanas ya no dan a
los álamos y los ríos de España. Miro una lenta piel de toro desollado, sola, descuartizada, sosteniendo cadáveres de voces conocidas, río abajo hacia el mar, hacia una mar sin barca. Mis ventanas ya no dan a los álamos y los ríos de España. Desgraciada viajera fluvial que de mis ojos desprendidos arrancas eso que de sus cuencas desciende como río cuando el llanto se olvida de rodar como lágrima. Mis ventanas ya no dan a los álamos y los ríos de España.